À travers cette courte vidéo, le CHD Vendée tient à présenter les nombreux dispositifs existants qui garantissent la protection des usagers dans leur démarche de santé, car, malheureusement, beaucoup sont méconnus. Tout d'abord, vous pouvez nommer votre personne de confiance. Mais comment désigner sa personne de confiance et quel est son rôle ? Vous pouvez choisir toute personne de votre entourage qui accepte de vous accompagner dans vos démarches liées à votre santé. Elle sera consultée en priorité pour exprimer votre volonté si vous deviez être hors d'état de le faire. Tout au long de votre séjour, l'équipe médicale et soignante vous tient informé et répond au mieux à l'ensemble de vos interrogations. Pour chaque acte médical qui vous sera proposé, vous recevrez toutes les informations le concernant. Aucun acte médical ne sera effectué sans votre consentement. Ainsi, vous serez acteur de votre prise en charge. Toute personne majeure peut faire une déclaration écrite appelée « directive anticipée » afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, dans l'hypothèse où elle ne serait pas, à ce moment-là, en capacité d'exprimer sa volonté. Elles doivent être écrites, datées et signées par vos soins. Elles sont modifiables et révocables à tout moment. N'hésitez pas à en parler à l'équipe qui vous prend en charge. Vous pouvez à tout moment consulter ou recevoir une copie de votre dossier médical. Pour cela, rendez-vous sur le site www.chd-vendée.fr dans l'espace usager. Soucieux de toujours mieux répondre à vos attentes et celles de vos proches, le centre hospitalier vous permet d'exprimer votre insatisfaction à travers plusieurs leviers. Le questionnaire de satisfaction, la réclamation, les médiateurs. Le questionnaire marque notre souci constant d'amélioration de tous nos services. Vos réclamations sont à adresser par courrier ou courriel et recevront systématiquement une réponse personnalisée. La médiation est un moment d'échange entre un médiateur, médical ou non, le patient ou ses ayants droit. L'objectif est d'analyser avec vous votre parcours et de répondre à vos questions. Enfin, sachez que vous pouvez être épaulé par un représentant des usagers à tout moment. Il veille au respect et à la promotion de vos droits.